Ou bien pour voyer l'agent taxe tourner toujours dans Massachusetts, profitez période amnistie fiscale. Payez l'agent taxe ou droit pour nous canner les pénalités. Opportunité dans un temps limité ça, pas durer longtemps. Mais soulagement a durer, pas gain pénalité. Yon grain opportunité arrivé pour juste 30 décembre. Cherchez qu'on est si vous qualifiez et puis commencez demande amnistie fiscale ou jodi a même. Visitez mass.gov/taxhelp. Et ou entre dans Ohio, à peu près dans qui année comme ça? En 2021, entre Ohio, et ça a déjà fait 3 ans. Mais qui principale activité ou personnellement ou même et dans Springfield? Très bien, moi je suis entrepreneur. Moi j'ai un business Springfield, c'est un magasin. Alors, ce n'est pas un magasin, on dit ça, c'est un botanica qui est Springfield. Ensemble avec madame, moi. En dedans, au Botanica, moi aussi, puis au Gare Marqué, c'est là que je fais remplir un compte taxe pour mon yo, m'aider avec une série d'activités d'immigration, par exemple, remplir 4 travail, TPS, et 2 fois asile, et qui ça encore. Pour ces 2 formes d'immigration, je m'assiste mon yo, non, remplir forme ça. Ensuite, à part de Botanica, ça qui est important à tirer dans ce moment-là, nous avons une organisation non-gouvernementale qui c'est HCA. Qui veut dire Haitian Community Alliance, c'est une organisation que nous fondons pour nous défendre la cause haïtienne dans Springfield, Ohio, et dans le state Ohio. Et en gros, ensuite, nous campions là depuis le M. Trump qui fait commentaire qui fait dans le débat. Alors, depuis même avant ça, mais bah, il y a une agité là, parce que du commentaire qui fait dans le débat. Donc, depuis ça, nous-mêmes, nous avons rencontré avec l'autorité. Nous avons rencontré l'autorité locale, l'autorité étatique. Et puis l'autorité fédérale, tout nous avons rendez-vous pour nous rencontrer avec eux, pour nous discuter de cause haïtienne. Mais nous ne pouvons pas tenter de rentrer dans ces débats qui n'ont pas de sens. Ça me les débats qui n'ont pas de sens. Si M. Trump vient en série de parler pour l'immigration, donc parler si ça va affecter tout immigrant quelque part côté. Donc, nous éviter d'essayer d'entrer dans les débats pour la simple bonne raison. Nous connaissons c'est tant de bonnes donnes pour nous qui sa nouvelle administration va porter en termes de parler si. Pour l'immigration, et puis nous avons regardé comment nous-mêmes nous avons réagi sur nous, mais nous n'avons pas spéculer, nous n'avons pas mettre les chariots devant le feu, pourvu que le conseil de monde policier a paniqué, qu'il a monté depuis quelques temps là, qui est facial dans l'autre état, bien qu'à Boston, bien qu'il monte New York, bien qu'à New Jersey, bien qu'il même descend Florida. Donc, je pensais que les gens qui étaient Springfield, ils ont caché un abri sûr, pas qu'un abri sûr. Et l'immigration, c'est fédéral, lié. L'immigration, pas locale, pas state. Donc, si il y a une loi, il y a renforcé en termes d'immigration, n'a pas fait que l'on soit contre hier, n'a pas fait que hier. Et avant nous parler de ça qui concerne en pile compatriote, tant que vous dit, l'être n'a pas parlé de l'immigration, son bail fédéral, quel que soit contre hier, et disposition que le président élu a, et l'elfine prête et serment, l'a pas affecté, quel que soit immigrant, n'importe côté, n'a pas les États-Unis. Où est venant au Ohio en 2021? Parlez-nous un petit peu de communauté haïtienne là, en prenant avant 10 septembre. Très bien. Il faut prendre la genèse. La communauté haïtienne, elle est arrivée là. Je remarque que les gens qui ont commencé à venir là avant, ils ont commencé à venir là depuis en 2018. Ils ont commencé à venir là en 2016-2017, mais ils n'ont pas traité, c'est visité. Mais à partir de 2018, les gens haïtiens ont commencé à venir là, dans Ohio, dans Springfield surtout. Et puis 2018 étant, il y a Corona. En 2019-2020, le corona vient faire un paquet de monde qui campait. Le ça, il n'y a pas retourné à Haïti. Le corona a mis un paquet de monde. Ça qui était ici, tout était ici. Donc, on sait le monde qui était même venu à visa, qui était dans l'obligation de rester là pendant la période corona. Mais après la période corona, nous venons joindre qu'on sait le monde qui vient commencer à traverser les frontières sérieusement. Il y a passé par mon Chili, mon Brésil, il y a passé par le Mexique, il y a rentré sur un film. Bref. Pour faire une longue histoire courte, les immigrants ont commencé à rentrer là vraiment en 2018. Maintenant, le mois de 2021, déjà un nombre de monde qui a vécu sur Springfield. Déjà une belle quantité de monde qui a vécu sur Springfield. Cependant, avec les frontières qui étaient venues aux gens, venues plus facile, avec le programme CBP1
et programme Biden, ça nous le Biden, le programme parole là. Donc, nous devons commencer à venir en quantité à partir de 2022. Mais là, nous avons commencé à venir là, nous avons fait venir là en 2021. Étrangers, nous étions contents, nous étions à remercier, nous, tout côté, nous, et à dire merci parce que nous étions venus là, venus combler une série de vides qui étaient là. Assiette fiscale, soins filoires, nous étions venus dépendre de Haïtiens parce que nous n'avons pas de job. Étrangers, pas de compte fait. Nous n'avons pas de job qui était là, l'autre, nous n'avons pas de compte fait que c'est Haïtiens seulement qui étaient compte fait. Parler anglais ou pas, même les gens qui ne parlent anglais, nous étions prêts à mettre au travail parce que mes œuvres là, étaient venus dépendre de Haïtiens. Maintenant, le nous arrivons. Dans la période avant l'élection, depuis avant septembre, dans août 2023, il y a un accident qui était fait côté de l'Aïssé à Pontotibus. Il y a une licence Mexique qui expirait dans l'Aïssé. Puis je fais un bus l'école, continue à perdre la vue. Comment ça prête comment c'est qu'il y a une frustration et il y a des mauvais gens dans le monde de la communauté parce qu'ils ont senti. Ça qui fait là, c'est fort pour les immigrants haïtiens. Donc, on est communauté étrangère, surtout américaine, très solidaire. Ils ont même fait solidarité. Les articles ont commencé à une situation. Mais ben, on n'a pas commencé à déclencher. C'est le bon dame qui monte sur Facebook. Ils font commentaire que les ouais, haïtiens ont mangé pet sky moon, par exemple, chat, chien, etc. Donc, ben, on a commencé à prendre notre forme à partir de là. Ça. Situation tendue, mais n'a fait ça nous capable. Maintenant, le président Trump prend bagaille là, là, il est dans le débat présidentiel là avec elle, là, ben, elle a vint déclencher, là, ben, elle a vint exagérer net. Côté nous, vint une série de, ça nous est les far-right groupes, surtout avec les gens, on l'a dit, white supremacist group, yo. Et on série de conservateurs, ils ont même commencé à faire des menaces, ils ont commencé à menacer, faire des menaces de bombes, si on va à l'école, etc., on peut sortir la caillou. Donc, bagarre la télé était dégénéré à partir de débat. Donc, après débat, nous commençons à mobiliser les gens, à sensibiliser les gens, à faire connaître les comportements pour gagner, etc., pour ne pas créer plus de problèmes pour les gens. Maintenant, le président Trump a fait promesse, depuis qu'il est élu président, il va commencer à faire des déportations à partir de Springfield. Donc, un paquet de gens qui m'a informé, ils ont pris le soin, ils ont fait, ils ont peur. Et ils commencent à déplacer, à mouvoir dans l'autre État. Donc, je dis à la, après l'élection, son réalité n'a plus. Là, le président Trump est élu. Effectivement, il y a quelqu'un qui panique, il y a quelqu'un qui a monté Boston, il y a quelqu'un qui a monté Philadelphie, il y a quelqu'un qui a monté New York, New Jersey, il y a monté tout. Il y a déplacé à l'autre côté. Il y a quelqu'un qui même prend frontière Canada, il y a quelqu'un qui a traversé frontière Canada, tout. Ce que nous ne pouvons pas éviter, mais nous faisons tout ça, nous capables pour ici, pour éviter les gens de dérives, mais il y a fait quand même. Mais est-ce que depuis l'élection finie 5 novembre, est-ce que gagnent des groupes extrême droite et qui tapent pression avant l'élection, activité yo, est-ce que activité mounsa yo yo augmenté pour yo capable bail et compatriotes haïtiens yo et des pressions? C'est tout au contraire, pression ça diminue au côté des groupes conservateurs. Maintenant, qu'on situation toujours tendue. Parce que moi-même personnellement, avec l'équipe de l'organisation que j'ai dirigée, qui c'est HCA, Haitian Community Alliance, nous avons toujours allé dans le City Council Meeting. Chaque deuxième mardi, dans la mairie, le magistrat avec le commissionnaire, ils ont fait un meeting, un City Council Meeting. Quand vous allez, comme citoyen dans la ville, vous avez 3 minutes pour faire doléances au passé. Peu importe ça, vous avez 3 minutes pour aller. Maintenant, depuis auparavant, nous avons commencé à venir faire couvrir dans le centre côté magistrat, obligé de faire sortir de l'eau, mettre de l'eau. Mais ils ont toujours continué à venir dans la même quantité encore. Parce que le magistrat a demandé, pour qu'il ne parle sous tribune, il faut que vous ayez dit qu'il montre que c'est dans la ville là où a pris. La majorité de l'eau, c'est de l'autre côté où ils sortent, ils viennent faire bruit ici. Donc nous venons jouer, ça a diminué, mais il a toujours existé. On vient faire dans la ville là, qui est toujours très furieux envers les Haïtiens qui vivent ici, toujours. Mais il n'y a pas en pile. Donc, les gens qui sont dans le syndicat, ils ont toujours rencontré, ils ont toujours fait voir au passé, ils ont toujours exprimé dans la façon dont ils ont senti qu'ils exprimé. Et peu importe, ils dérangent l'autre monde, peu importe, ils font l'autre monde mal, ça va garder eux-mêmes, ils ont dit ça dans le cœur. Seul bagage, nous gagnons comme assurance, magistrat très supporté cause haïtienne. Gouverneur, beaucoup de parle, sont supporters de Haïtiens. Pas oublier, gouverneur a une relation haïtienne avec Haïti qui date de 35 ans.
40 ans, monsieur même dans l'école Cité Soleil, il créé l'école la porte non petite fille qui était mourue dans l'accident. Donc, le gouverneur a de très bons rapports avec Haïtien, sans Haïtien pour commencer à débouler de l'imminence qui est là. Monsieur Litré, il supporte nous au contraire pendant la période et campagne électorale. La présidente Trump avait une campagne pour ici. Là, monsieur dit non, c'est une bonne idée. Monsieur, pas d'accord pour la campagne de Trump l'a vite fait là parce que il connaît Trump pour le mettre à faire sous clou avec Bushy Sylvain Springfield. Donc là, monsieur démontré en plus support, monsieur était évité pour Trump pas de faire campagne là. Pour nous-mêmes, Haïtiens, pour nous sentir en sécurité. Parce que par exemple, assiette fiscale. On paquet de villes dans Ohio, ils dépendent de Haïtiens. En pile de job qui était vide, c'est Haïtien qui comble. Et ceci, bon, réalité encore la vie de Ohio, son côté qui fait frais en pile. On paquet de monde qui a utilisé des substances dans votre drogue, etc. Le non job pour appliquer, ils n'ont pas capacité de drogue là. Parce qu'ils ont utilisé des substances là, Haïtien n'a pas fait baisser ça. C'est ça que fait bon entrepreneur américain qui débat une interview sur PBS News, lui dit que. S'il était jeune à plus haïtien, il travaillait plus toujours parce que haïtien n'a pas le problème. Non seulement au vin travail, il n'y a pas ces tests d'autres, il n'y a pas de problème passer ces tests d'autres, il y a toujours qu'un bon travail. Ça a été fait étranger, conservateur, très furieux envers monsieur. Il a commencé à faire monsieur menace. En dehors de l'intervention, nous-mêmes, dans la communauté haïtienne, particulièrement nous-mêmes qui avons une position de leadership, nous allons dans le City Council Meeting et dans le palais. En dehors de l'intervention, public ça yo. Est-ce que nous gagnons l'autre rapport parfois dans la réunion côté nous rencontrer et magistrat ou bien City Council oui. En dehors de Samtarelé et réunion publique ça yo? Certainement. J'aime dire, nous rencontrons toute autorité honnête. Au contraire, depuis deux mois là, régulièrement chaque semaine nous rencontrons le bureau gouverneur. Avant l'élection, le 4 novembre, le gouverneur a demandé pour nous rencontrer avec nous, chita gouverneur, nous porter doléances nous Bali. Et à la fin de la réunion, qui était durée peut-être une heure, 10-15 minutes, nous demandons qui ça nous voulait le faire pour nous. Donc nous avons dit M. Toudoulé, à ce que nous comme communauté et dans la ville, dans cette ville-là, nous avons dit M. Tout, mais qui ça a passé nous, nous avons aimé et amélioré. Donc M. Toudoulé, une garantie, dans le niveau sécurité, M. Toudoulé, a délégué une série de troupes, on connaît ces gouverneurs qui commandaient State Highway Patrol, il était voulu renforcer la sécurité pour ici, là, pour ici, on va se sentir prêt parce que nous avons fait menace. Il était renforcé et police département, il était fait l'autre police département dans l'autre ville, il y a boy ici à là. Donc, nous étions conseillé de mesures qui pouvaient faire nous sentir nous safe. Et là, nous avons rencontré un monsieur, nous avons chance de discuter avec lui, il dit nous mais ça l'a fait pour nous, nous-mêmes nous disons mais ça nous besoin. Nous toujours rencontré un bureau monsieur pour faire follow-up. Chaque semaine, nous rencontrons régulièrement avec le bureau gouverneur, magistrat, c'est même bagarre, nous chita magistrat, avec City Manager, nous discutons, nous chita chef police là, nous discutons, au contraire. À travers le gouverneur, le bureau gouverneur a fait un rendez-vous pour nous. Côté nous avons participé avec la Fédération juive qui est dans Cleveland, Ohio. Nous sommes avec les juifs parce que les juifs ont une histoire qui est similaire à l'histoire à nous, comme haïtiens. Ils ont été venus ici, ils ont été persécutés en ville. Jusqu'à présent, ils ont toujours subi persécution. Donc, ils ont organisé, ils ont créé propre sécurité par eux, ils ont créé propre système par eux. Côté ils ont lu plaque machine, ils ont près de 1700 caméras dans Cleveland qui sont dans tout point. Sensible, il y a une caméra, il y a un système qui est attaché à ce système de la police là. Il y a tout un système de sécurité qui est en place pour protéger les communautés juives là. Donc, le bureau gouverneur, sous commande des public safety manager, public safety director pour State Ohio, qui c'est Mr. Andy Wilson, il était planifié rendez-vous ça pour nous. Nous sommes montés en haut, non seulement nous sommes montés en haut, nous-mêmes comme organisation qui représente la police haïtienne, non, mais il était mené chef de police bon, ici à la tout, chef de police Cleveland là. Directeur et public safety dans Springfield là, plus l'idée mené mon responsable FBI dans State Ohio. Donc nous avons tout le monde dans la réunion pour nous déplacer l'idée pour nous regarder comment nous-mêmes nous avons implémenté ça juif qui a fait dans l'État dans la ville Cleveland. Donc là nous avons fait près de demi-journée et nous rencontrons avec eux. Là nous avons descendu là, nous-mêmes nous commençons à mettre quelques programmes sous pied pour les sécuriser la communauté haïtienne dans la façon dont nous sommes capables. Là, on parle d'une communauté. Ou parler de l'église, ou parler de entreprise, business haïtien qui est dans la zone. Là. Depuis l'on rencontré avec le gouverneur, ou rencontré avec l'autorité et au niveau de l'État, monde qui est en sécurité, autorité qui est dans la ville, là, est-ce que ça a un impact sur le fonctionnement de l'église, un impact
positif sur le fonctionnement entreprise, pas de monde qui a aucune peur, eh bien, pour l'activité, quotidienne et dans Springfield. Bon, évidemment, et au commencement, il y a un impact négatif sur tout fonctionnement et communauté haïtienne, non, dans tout sens. Nous, c'est une organisation qui regroupe toute entité haïtienne, bon, ici, l'église, business privé et l'autre leader communautaire. Tout le bagaille qui est haïtien là-dedans, nous regroupons tous ensemble, c'est ça nous fait. Donc, nous avons près de 40 business haïtiens dans la zone, non? Nous avons près de 9 églises et l'autre entrepreneur indépendant. Nous regroupons tout le monde ensemble. Donc, nous comprenons que tu as un peur côté mon côté peut fonctionner deux mois passés là. Maintenant, quand on a commencé à changer, le seul problème nous avons, quand on a son site de l'autre monde qui fait partie du commun des mortels, n'a pas les deux résidents haïtiens qui sont dans la communauté là, qui ont j'en peur, qui commencent à quitter la ville là, de peur que le monsieur Trump finisse et prend investiture le 20, il va commencer à attaquer Haïtien. C'est une file qui n'est pas vrai, qui faut. Mais nous essayons de faire tout ça, nous capables pour nous informer, yo, pour nous faire connaître que vous avez été calme, vous avez gardé calme, vous n'avez pas besoin de paniquer, mais nous qui pouvons paniquer, la paniquer quand même, malheureusement. Et non, après débat le 10 septembre, yon nan ba kite en pile moun et qui t'a regardé télévision, etc. C'était impact déclaration à l'époque candidat Donald Trump sous timoun yo. D'ailleurs, mais ou retourne et sous aspect ça, qui j'en situation ça, et l'affecte non seulement grand moun, mais particulièrement timoun haïtien qui vivent dans Springfield. Très bien. Situation ça a un impact direct sur Simon. Par exemple, petite femme qui l'école dans Springfield, elle est à l'école, l'autre Simon a persécuté lui, il a fait le connaître que parents a mangé et bêtes domestiques à Simon. Donc ça, la petite cicatrice en dedans Simon pour longtemps. Parce que Simon même, pas lié en bas âge, mais c'est des mineurs, des adolescents. Yo peut-être pas qu'à comprendre ça qui a passé dans la ville là, politiquement, on va comprendre rien, mais il y a payé une conséquence, on va gagner, on va créer. Le si on a l'école, si les pires li, camarades li, a fait le sentir que par an a mangé chien, il a mangé bête moun, ça, automatiquement, li, psychologiquement, li font impact sur si moun. Donc, si nous n'avons pas les gouverneurs à tout, nous cherchons moyen pour aider si moun là, récupérer yo, graduellement, des dommages ça qui fait malheureusement. En parlant de dommages, d'accord, psychologiques qui fait sous Timoun Zao, est-ce que dans Springfield, nous gagnons support, par exemple, psychologues qui haïtiens, etc., qui sont capables d'aider Timoun Zao dans la situation ça? Bon, malheureusement, nous n'avons pas de psychologue haïtien, mais nous gagnons une délégation dans le département de santé, là, sous l'autre gouverneur encore, qui a essayé d'aider la communauté dans l'affaire santé mentale. Parce que santé mentale, là, haïtiens toujours pensent que l'on de santé mentale, sont monde fou. C'est ça, dans la sociologie, nous-mêmes, comprenons que le monde a un problème de santé mentale, sont monde fou. Qui n'est pas vrai. Donc, ça qui vient arriver, avant même bagarre ça a été présenté, nous avons quelques mesdames qui sont de Chili, Brésil, qui font route. Là, on a fait route. Là, on a violé. Nous avons un monde qui est devant nous. Oui. Nous avons un monde devant nous. Tout le monde devant nous, passé devant nous. Avant même, nous avons vécu. Et ça qui passe là, incident électoral ça qui est avec le président Trump là, nous devons vivre une série de bagailles comme haïtiens qui quittent la caille nous, qui viennent là, mais qui pas admettre que nous avons des problèmes de santé mentale. Mm-hmm. Donc c'est une bagaille que l'État a attaqué, il a pensé et dit ouais, comment on va résoudre le problème de santé mentale là. Nous avons des psychologues qui sont disponibles, nous avons des collaborateurs tout, qui sont New Jersey à travers Haïti première classe qui deviennent là, ils font l'évaluation, ils deviennent avec psychologues, etc. Ils ont tourné. Il y a une fois froid médical encore. Donc tout le monde a essayé d'aider les gens capables. Mais nous n'avons pas de psychologues haïtiens dans la zone là même. Mais nous avons une aide qui est venue de l'extérieur, qui sont de New Jersey à travers la première classe. Et puis nous avons cet Ohio qui m'était disponible et un programme pour aider les gens là et attaquer. Problème santé mentale là même, les gens n'ont pas senti qu'il y a un problème. Mais les gens n'ont pas de problème, ça ne va pas connaître. Est-ce que nous-mêmes, dans l'organisation, par exemple, pour diriger ACA,
nous avons des contacts avec d'autres organisations, côté de l'État Massachusetts, côté de New York, côté de Florida. Et bien, on est communauté ça au plus grand. Et bien, ils ont même, ils ont gagné toute qualité expert professionnel haïtien dans toute qualité domaine que nous-mêmes, est-ce que nous prenons contact avec et organisations communautaires l'autre côté ça qui étaient capables de collaborer avec nous, qui étaient capables de faire des interventions, qui étaient capables de mettre des experts qui étaient capables d'aider nous dans ce sens-là. Très bien. Nous ne prenons pas contact à aucune organisation qui à l'extérieur de Ohio pour la simple et bonne raison. Nous ne connaissons pas ces deux organisations qui existent. On a parlé d'organisations haïtiennes. Mm-hmm. Maintenant, Haïti Première Classe, nous avons une émission qui est faite dans New Jersey, New York, etc. Il y a un mouvement qui est en Ohio. Il y a des potentiels volontaires qui ont été visités nous ici. Pendant que nous avons passé un séjour avec nous, il y a des problèmes qui ça va galérer. Donc, il y a retourné encore avec notre délégation qui a un psychologue là-dedans, qui a un médecin, etc. Donc, il y a retourné là, nous allons faire une sorte de clinique mobile et bien font foire médicale, etc. Donc, nous avons c'est eux-mêmes qui comprennent la situation, hein. Nous ne même qu'on est aussi existé. Ils ont peut-être été volontiers, ils ont venu aider nous. Mais nous avons tout lancé appel là, si on a l'organisation dans le niveau Boston, etc., dans notre ville, qui comprennent la nécessité. Hein. Nous-mêmes, par contre, toute organisation haïtienne okay. existe. Donc, c'est eux-mêmes qui t'a préférable, c'est eux-mêmes qui reach out, même si on reach out là, pour jouer moins, nous avons fait ce dialogue ça là. C'est eux-mêmes qui reach out, qui besoin qu'on ait, pour fournir, j'ai gardé, pour qui ça a passé Springfield. Donc, nous-mêmes qui avons un problème dans la petite lavelle là, maintenant nous dépendons de l'État qui peut la vie pour compter la main forte. Mais si l'organisation veut aider, you're welcome, ou bienvenue. Nous avons toujours qu'à collaborer à toute organisation extérieure qui veut aider, mais nous-mêmes, nous ne connaissons toute organisation. Nous ne pouvons pas casser nous encore, qu'à faire des démarches pour nous joindre à l'organisation, parce que nous avons l'adapté pour nous. Ou bien pour voir l'agent taxe tourner toujours dans Massachusetts, profiter période amnistie fiscale. Payer l'agent taxe ou droit pour nous annuler les pénalités. Opportunité dans un temps limité, ça, pas durer longtemps. Mais soulagement, ap durer. Pas de pénalité. Yon grain opportunité. Rivé pour juste 30 décembre. Cherchez qu'on est si vous qualifiez et puis commencez demande amnistie fiscale ou à jodi à même. Visitez mass.gov/tax help.